Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pourvu que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Je ne sais pas si notre réalisateur les a montrés, mais les arches du Stade Louis II sont vraiment la signature de cette magnifique enceinte. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. C'est vrai qu'à niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes, on espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je ferai moi. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Allez Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match ? Eh bien là, je pense forcément à Marco Verratti, le successeur d'André... La faute. C'est loin, très loin même, mais sait-on jamais. Ça passe à côté d'un rien. Ouh, quelle occasion. Marco Verratti, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Jorginho, oh voici Immobile. Chiesa, Chiesa qui centre. Jorginho, c'est bien donné, Immobile. Oh quel bel arrêt. Ah ça c'est magnifique, chapeau. Ça peut être extrêmement dangereux. La longue passe. Oh, le bon ballon. Il est passé. Immobile. Oh, dommage, la passe était parfaite. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Maldini qui récupère ce ballon. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Srarfi. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Oh, le tacle. Sami. La Tunisie qui peut avancer. Allez. Il peut y aller. Il peut frapper. Oh, le superbe arrêt de Donnarumma. Une parade magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Ce sera le premier corner du match. Danger repoussé pour le moment. Il frappe. Et il est là pour dégager. Dans la surface. Il tire. Oh, le superbe arrêt de Donnarumma. La parade, magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. C'est dégagé. Faut frapper là. Sami. Srarfi. Et le tir. Bon dégagement, bien joué. En retrait pour repartir proprement. Srarfi. Il tire. C'est dedans.
Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. De très très loin, il n'a pas eu peur. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Le jeu repart vers la droite. Oh, il espérait ce ballon. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe... Oh, l'occasion! Oh, il bute! Le but! Oh, ils ont trouvé le bon rythme, là. Quelle efficacité! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. En la profondeur, bien vu. Chiesa ! Chiesa, qui centre. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Les attaquants doivent participer à la récupération, il en est le parfait exemple. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui, ça devient un peu la norme. Abdenour. L'Italie adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire, forcément. Saad, qui est récompensé de son pressing. Il décide d'allonger le jeu. Ce sera un coup franc, bien sûr. Ouf, ils s'en sortent bien là, d'un cheveu. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Il avait déjà été averti oralement, mais là, l'arbitre semble lui dire que c'est la dernière fois. Dans le dos de défense. C'était une bonne intervention. C'est joué long. L'arbitre a sifflé, faute. Le gardien dégage, loin. Avec Verratti. Il joue sur sa gauche. La grosse intervention. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Samy. Deux buts en moins de 10 minutes, c'est quand même impressionnant. Ça fait donc toujours 2-0. Abdenour. C'est une occasion, ça! Abdenour adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Marco Verratti! C'est joué long. Oh, voici Maldini.
Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Un long ballon vers l'avant. La tentative! Ça va soulager un peu. Il se recentre. Oh, quel... Oh, la main ferme! Marco Verratti. Bien, bonne intervention. Il y aura donc touche. Saïd. Il cherche son coéquipier. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Le ballon donné dans la profondeur. Oh, le contre, l'arme fatale. Quelle passe. Ça, c'est une interception parfaite. La passe dans la profondeur. Jorginho. S'il le trouve, ça joue long. Oh, Marco Verratti. Dans la profondeur. Oh, c'est reparti, ils peuvent contrer. Oh, l'inspiration. Sur le poteau. Encore. Et c'est le but. Voilà qui met son but interne définitif à tout suspense. Quelle envie il s'est jeté sur ce ballon. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Immobilé à droite. Ça doit faire but. Énorme occasion. Aucun problème pour le gardien. Le corner est joué court. Et il perd l'équilibre. Il allonge vers l'avant. Il sait attaquer, ça on le savait, mais il sait aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. La reprise. Et ça se joue à rien. Voilà, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Pellegrini. Long ballon dans le sens du jeu. Immobilé, la relance côté droit. Il tente de la jouer dans l'espace. Chiesa qui est bien placé. Quelle vitesse, impressionnant. C'était une belle course, mais avantage aux défenseurs. Le ballon dans la profondeur. Ils obtiennent un coup franc. C'est une vraie occasion, il peut décider de tenter sa chance. Attention, il se prépare, la défense tremble en face. Il tente sa chance. Il va s'en sortir sur ce coup-là. Florenzi. Jorginho. Bien, la profondeur. Et le ballon continue de lui coller au pied. Ça joue de l'autre côté. Hassen. Oh, voici Immobilé. Chiesa. Il s'impose physiquement dans ce duel. Srarfi. C'est osé. Quelle intervention de Chiellini. Le gros dégagement. La frappe.
Oh, ça aurait pu être le quatrième but. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. La passe en retrait vers son défenseur. Maldini. Pellegrini. C'est joué dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Abdenour qui joue long. Excellent repli défensif. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Ça manque de précision, dommage. Srarfi. Samy, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Chiesa. Le bon ballon. Voilà une bonne occasion de contre. Il peut tirer. La frappe. Chiesa. Ça joue long vers l'avant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est bien fait, ça. Plus... Oui, il peut frapper, là. Superbe intervention. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Oui, bonne intervention de la défense. Jorginho. Elle ne résiste pas au contact. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il relance, côté droit. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Jorginho. Oh, voici Immobilier. Il écarte le jeu. Chiesa. Chiesa. Immobilier. C'est joué long, attention. Et la bonne intervention. Et c'est récupéré, bien joué. Dans la profondeur, c'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Chiellini. Un long ballon vers l'avant. Oh, voici Immobilier. Abdenour, il part directement, il tente sa chance. Et ils vont effectuer cette touche. Bien, un peu de répit. Jorginho, sur la gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. Un centre. Oui, encore une occasion manquée. Ils étaient quatre devant le but. Et malheureusement, ça ne donne à rien. Le jeu repart vers la droite. Florenzi, le long ballon à l'opposé. Il reçoit le ballon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il allonge vers l'avant. Quelle fait du bien cette interception. Et dégagement du gardien. Bonne intervention. Srarfi. Il prend sa chance. Mais le gardien n'a même pas eu à intervenir. C'est allé très très vite. Dommage qu'il n'y ait pas but derrière.
c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0, ça laisse une marge plutôt confortable quand même. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr, et ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense, parce qu'elle fait un sacré match jusqu'ici. Le score, 3-0 pour le moment. On parle, mais le jeu a déjà repris. Bien joué, ça. Quelle solidité. Il allonge le jeu. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Samy. C'est sorti, il y aura une touche. Saad qui récupère ce ballon. Ils sont sur tous les ballons. Quelle défense! Il cherche la profondeur. C'est joué dans l'espace. Pris au piège du hors-jeu. Le gardien loin devant. Dommage, c'est intercepté. C'est joué long, c'est dangereux. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Chiesa. Il s'enfonce, côté droit. C'est joué long. Il y a danger. Ce sera... Quelle détente! Sauvé par le poteau! Attention là! Florenzi! Ce sera une remise en jeu. Le bon dribble. Il va se présenter devant le but! Allez, c'est ça, et ce sera un corner. Et ce corner à la rémoise. Il essaye de faire la différence côté gauche. Saad. Ça peut faire mal. Ça rentre. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là. Ce match est en train de tourner à la démonstration. Bon service dans la profondeur. Totti qui choisit le côté gauche. Srarfi. Samy. Il tente de la jouer dans l'espace. Chiesa. Florenzi. Le long dégagement du gardien. Saad. Ça sent la... Allez, jusqu'au bout! Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. L'ouverture lumineuse. Faut que ça va partir vite. Chiesa. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Florenzi, Chiesa, la bonne passe, Totti, la relance, côté droit, il a tenté, bien joué, en la profondeur, bien vu, mais ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Oh la frappe! Quel sauvetage! La contre-attaque était superbe, il a juste manqué le dernier geste. Du gardien. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique.
Jorginho. Il renverse, c'est bien fait. Changement d'aile. Ils sont revenus sur le terrain avec des meilleures intentions. C'est bien. Dans la profondeur, il a centré. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Et c'est directement récupéré. Il est bien placé. Attention, la frappe! Saïd. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous? Ben, ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Ils décident d'allonger le jeu. Chiesa. Jorginho. Bon service dans la profondeur. Ça joue long. Chiesa! Oh, quel geste! Bien servi, Totti! Ce contre peut très bien aller au bout. Oh, Totti! Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Saad. Allez, c'est dangereux! Oh oui! Oh là 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 là! Mais quelle démonstration! Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch! Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Mais ce sera un double changement. Peut-être un changement tactique? Ou simplement du sang frais? Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et encore, je suis gentil. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Bernard Lesky. Florenzi. Mais le ballon a franchi la ligne. L'Italie qui procède à un autre changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. La bonne diagonale. Sur les ailes. C'est pour Henri Danger. Et la tête! C'est au fond du filet! Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça me donne un but. Et c'est reparti, on dirait bien qu'ils n'ont pas du tout abdiqué. Cette possession un peu stérile. Hassen. Samy. Il cherche son coéquipier. Va-t-il en profiter? C'est joué long, attention. Oh, Lorenzo Insigne. L'arbitre signale une faute. Il allonge le jeu. Il est passé. Oh, la frappe! Et ça fait but! Et allez, encore un but! Mais c'est quoi le truc? Il cherche à battre un record ou quoi? Et le doublé! Et désormais, ils ont l'air intouchables. Marco Verratti. Et ils essaient de repartir de derrière. Oh, le tacle! Bonucci. Marco Verratti. Bonucci. Il change le jeu. Il est tout seul! La longue passe. Allez, ça peut faire mal! Dans la surface. Oh, c'est chaud! La frappe, attention! Et oui, but!
Pour lui, c'était presque trop facile. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Mais c'est quasiment suicidaire. Mais l'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! On va voir maintenant si cette réduction du score est anecdotique ou bien le début d'un véritable exploit. Bon, il y a danger. Bernardeschi! Ça peut partir en contre. La passe en retrait vers son défenseur. Saïd. C'est parfait, magnifique. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Hein, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif, pour un attaquant c'est bien. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Bernardeschi! Long ballon dans le sens du jeu. Bonucci qui est récompensé de son pressing. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. C'est joué dans la profondeur. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Des deux points. C'est bien fait. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Lorenzo Insigne, Marco Verratti. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Dans la profondeur, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh, Totti, Totti! Bel arrêt! Même si c'est stérile, pour l'instant il faut tenter quelque chose, il faut pas se décourager. Et ce sera une faute. Les attaquants doivent participer à la récupération, il en est le parfait exemple. Les équipes. Saïd ! Oh, c'est au fond ! Et encore un but ! Ça tourne à la démonstration ! Allez, je propose qu'on arrête le match là ! C'est un massacre ! C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Oh, Lorenzo Insigne. Maldini qui change tout. Oh, le contre, l'arme fatale. Bien, la profondeur. C'est une frappe. Bernardeschi. Bernardeschi. Non, ça manque d'application. Samy. Attention, danger! La passe est faut tirer là! C'était difficile comme geste. Ça peut être dangereux! Quel sauvetage! Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là! Il en a marqué des beaucoup plus difficiles! Quel mauvais choix! C'est joué court à deux. Attention au centre. Il sait attaquer, ça on le savait, mais il sait aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Et il prend sa chance.
Bernardeschi. Ça passe à droite. C'est joué long. Il cherche la profondeur. Bien servi. Hassen. Sarfi. Ça passe. Il est servi. Il ne se pose pas de questions. Sarfi. Il peut y aller. Sauvetage du gardien. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Lorenzo Insigne à droite. Peut-être une occasion pour Totti. Il choisit la profondeur. Passe interceptée. On s'est reparti, ils peuvent contrer. La bonne interception. Bourse. Dans la profondeur. L'interception, c'était chaud. Et le ballon est sorti, touche. Quelle occasion, attention! Bel arrêt! Il va falloir être précis. De la tête! Oh non! C'est dedans! Quel manque de réussite sur cette action-là, mais aussi quel manque de communication! Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin, mais bon, c'est le jeu. Bernardeschi. C'est bien ce qu'il fait là. Va-t-il en profiter? Totti en retrait. Et ce ballon devant le but. Il relance côté droit. La grosse intervention. Le ballon a franchi la ligne. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. L'arbitre a jugé que la faute était à l'extérieur de la surface. Il tente de se dégager. Quelle inspiration! Encore un centre! C'est dégagé, loin devant. Il est à distance de tir. Faut tirer là. Quel sauvetage. Ce contre peut très bien aller au bout. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Attention, la parade, super. Sauvetage du gardien. Il faut que ça va partir vite. Le ballon dans la profondeur. Oh, quel geste. La passe dans la profondeur. Il frappe. Une frappe puissante. Il y a peut-être... Il frappe au but. Bernardeschi. Lorenzo Insigne. Maldini. Il renverse, c'est bien fait. Le bon ballon. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est joué dans l'espace. C'est Bernardeschi qui centre. Il est là pour dégager. Bourse. Oh, le petit ballon piqué. Quelle intervention de Chiellini. C'est joué long. Saad. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, attention. Oh, l'occasion. Et c'est trop à droite.
Bernard Leski. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Alors, que retenir de cette rencontre? De la technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football. On doit se quitter maintenant. Merci Darren et merci à tous surtout d'avoir suivi ce match avec nous. Merci Grégoire.